Hello tout le monde, on se retrouve pour le cinquième épisode de la bêta de Terra. Donc la dernière fois on s'était laissé sur un magnifique bug, hein. En fait voilà, entre le dernier épisode et cet épisode là il s'est passé quoi 10 minutes, le temps de faire une petite pause et de relancer le jeu, puisque de toute manière, là ça avait bugué. Hein. Oui, encore une fois, vous voyez, le perso ne veut pas venir. Le perso dit j'en ai marre. Même le perso ne veut pas faire d'épisode aujourd'hui. Ah, nous sommes arrivés donc à Velika. Point de repos, ouais, 0%. Oui, parce qu'en fait, si on se déconnecte en pleine ville, donc normalement là c'était mon cas. On peut gagner de l'expérience. Il faut le préciser quand même, hein. Ah oui, donc c'est à partir du niveau 20 que je pourrais activer les glyphes. Donc là, normalement, je devais retrouver quelqu'un pour une quête. Vous avez atteint le niveau 11, vous faites maintenant partie des mains de Velika. Ok, j'ai pas le temps de lire, mais c'est pas grave. Donc, je dois trouver, je ne sais pas qui, quelqu'un marqué... Pourquoi là, j'ai plus le... Ah, voilà. Peut-être que je... Ok. Vous avez besoin de mon aide ? Au revoir. Vous avez besoin de... Oui, mais moi je veux activer la quête justement. Ok, parce qu'il y a trop de personnes là qui veulent commencer peut-être la quête. C'est bon, je peux lancer ma quête. Pour la fédération. Oui. Vous avez besoin de mon aide. Au revoir. Voilà. Parler à Getty sur la place de la liberté. Ok. C'est très grand, mais ça bug beaucoup. Là, ils sont très jolis. Oh, elle est marrante. Bon, elle est complètement buggée. Ok. Je peux utiliser des portails. Nous, on va aller à pied quand même. Et pourquoi ils ont tous des chevaux, là? Oh, et regardez, il y en a, ils ont des ailes d'ange. Et regardez, il y en a, ils ont le jeu qui bug. Ah, ça me refait comme le... Comme lors de la partie précédente. Donc, comme ça, on fait fermer l'application. Et on en relance. Ah, ça, franchement, j'adore. C'est ce que j'adore dans les bêtas, ce sont les bugs. C'est soit il y a trop de monde... En même temps, quoi, je décide de jouer au soir exprès. En fin de compte, non, il y a trop de monde. Bah, vaut mieux que ça arrive lorsque voilà, je fais des épisodes qu'en stream, parce que je pense qu'en stream, ça aurait été injouable. Déjà, là, je peine à jouer correctement. La première partie, ça a été, mais là, en fait, je crois que ça est de pire en pire. Bon, ça va encore assez vite, mais bon, on perd quand même 2 minutes, quoi. Faudrait nous rajouter 3 jours de plus, parce que vu le nombre de bugs qu'on a, on a déjà perdu... Moi, j'ai perdu déjà une journée, déjà vendredi, donc hier. Je n'ai pas réussi à me commettre, vraiment pas. Alors, j'avais directement le message d'erreur, comme j'ai pu avoir tout à l'heure, bien dans l'épisode précédent pour vous. Mais c'est très chiant quoi, c'est... On commence le jeu, bam! Joli petit bug. Et là ça va, on n'a pas encore le système de file d'attente comme il y avait sur FF14. Je me souviens quand ils ont lancé la... Enfin pas la bêta, le jeu directement, il y avait une file d'attente. Donc des fois vous avez...
je crois, 25 minutes d'attente. Et il fallait être là justement pour valider votre attente. Ah, c'est très joli. Il va peut-être avoir un festival. Après, ça serait bien qu'on pourrait faire un genre de crossplayer avec les joueurs PC, les joueurs PS4. Après, je sais pas si la Xbox permet cette... comment dire, permet de jouer aussi à la bêta. C'est par là. Donc là, vous pourrez acheter voilà, des marchandises exclusives, ça je sais. C'est un popoli. Quelque chose a l'air de vous troubler. Nouveau soutien. Bienvenue au service d'extension de l'inventaire de Getty. C'est la première fois que je vous vois ici, mais ne soyez pas timide. D'accord, mais là, la première extension de l'inventaire est gratuite, elle ne coûte rien. Souhaitez-vous bien en bénéficier. Ah bah, évidemment. Putain, j'ai limite envie de faire nuit blanche dessus, quoi, tellement j'adore. On peut apprendre une nouvelle compétence. Et ça va être dur quand la bêta va être terminée, quoi. Il faut vite qu'ils le sortent, le jeu. C'est pas possible. J'aimerais bien qu'ils le sortent la semaine prochaine. Hein. Déjà, en plus, sur PC, il est déjà sorti. Alors, pourquoi ils nous le sortiraient pas rapidement sur PS4? S'il vous plaît. Faudra leur envoyer un message. Sortez rapidement la version sur PS4. Ouais. Délicat, donc c'est à qui que je dois parler, parce que là il y a sûrement à elle le problème, étant que je suis ici pour aider. Ah voilà, nettoyer le quartier général de la fédération, tout le monde est très occupé ici, vous ne devez entrer que si vous êtes en mission officielle. Un petit câlin de Monster Hunter. Elle est trop choupie. Elle est trop choupie. Niveau 29, ah, tu m'étonnes. Donc normalement, niveau 29, je pourrais avoir un cheval. Le problème étant que je bug. On va attendre 2 minutes, sinon, ben voilà, on va redémarrer. C'est reparti. Et vous allez le voir de toute manière cet écran. Ça fait déjà 2 fois, hein, mine de rien. 2 fois en un épisode, on ne dit jamais 203. C'est pas possible. Si le réseau est saturé, les gens fermaient le serveur, bloquaient les nouveaux entrants. C'est dommage parce que c'est tout des bugs comme ça en fait qui font... qui stoppe notre, on va dire, notre hype. Ah, il y en a, à mon avis, en 3 jours, ils sont déjà niveau 65. Hein. Perso, c'est faisable. Niveau 30 sur 40, un peu moins. Mais ouais, je pense qu'on peut faire ça. On peut facilement monter. Par contre, moi, demain, faut qu'il y ait personne qui vienne de m'embêter. Hein. Ah non, demain, moi, c'est Terra toute la journée. Hein. Après, je pourrais faire des épisodes un peu plus longs. Le problème étant que vous voyez déjà comment ça bug. On va relancer. Donc, est-ce que le personnage veut travailler ce soir? De toute manière, c'est un signe. Hein. Je voulais pas venir au début. Non, 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 non. Allez, apparaît. Tu vas marcher, tu vas gagner plein de trucs. Faut l'encourager aussi, hein. Ben, ça va, les chargements, ils sont rapides. On va pas se plaindre, hein.
Bon, il est où le... Il est là. Ok. Quelque chose vous trouble, enfant. Rejoindre les rangs. Donc si vous voulez lire, appuyez sur pause. Félica, la cité des rouages. Capitale de la Fédération Valkyon et haut lieu de civilisation du continent Darun. Nous voilà tous réunis, humains, hauts elfes, Aman, Baraka, Castanik, Popori et Elin, pour affronter les Argons, une menace contre laquelle divisés, nous n'avions aucune chance. De l'autre côté de la mer, sur le continent de Shara, nos armées sont parvenues à tenir tête aux Argons. Pour l'instant. Mais les Argons ne sont pas la seule des menaces qui planent sur nous. Loin de là. Nos forces étant monopolisées par la lutte contre les Argons, certains monstres se sont hardis. Ils ont mis des villes entières à sac. Et nous nous devons de réagir contre cette menace. Nous manquons d'effectifs pour les combattre et devons compter sur la motivation des jeunes recrues. Qui sait, vous prendrez peut-être la relève des Léons. Par Vélic, nous en aurions besoin. Salutations. Ça tombe bien, mais tout ça pour ça. Est-ce que je vais pouvoir aller jusqu'à Samael? Tout le monde parle de vos exploits sur l'île de l'Aube. C'est du bon boulot. Mais ne prenez pas la grosse tête. Je vous déclare sur l'heure en service actif pour la Fédération. D'ici peu, vous regretterez la chasse aux porcidés sur l'île de l'Aube. Et alors, vous attendiez quoi? Une fanfare? Ah, les jeunes de nos jours, aucun sens de la mesure. Du vent, ça commence à sentir le porcidé. Mais je t'en bip, puis en plus c'était même pas en synchronisation. Hein. Complètement désynchronisé. Hein. Tu dois pas être sur le bon serveur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'équiper. Par contre, là, j'ai une super monture. Moi, je l'avais aussi. Alors, ça, les mitaines, les bottes, le pourpoint, et c'est tout. Bon, on ressemble un peu plus à quelque chose. Quoique, c'est pas une tenue pour faire la guerre, mais bon. Comment ils font là pour looter les montures? Parce que si ça se loot comme les shiny, demain, j'y suis encore. Hein. Tous des chevaux, il y en a, ils ont des sortes de loups, d'autres des licornes, et moi j'ai mes pieds. Et un bug aussi. Donc là même la musique s'est arrêtée. C'est reparti, troisième bug. C'est vraiment chiant, hein. Là, on peut excuser le fait qu'on a une cinématique aussi.
Mais il y a trop de bugs, sérieusement. Appuyez sur croix pour bugger. C'est complètement simple tout ça. C'est bon, j'aurais bien voulu atteindre quand même la nouvelle zone pour terminer l'épisode, quoi. Mais bon, si dans les prochains épisodes c'est comme ça, ben... ça va pas être classe non plus pour vous regarder, puis ben pour moi jouer, quoi. C'est ça aussi. C'est vous, vous perdez l'envie de regarder ben, parce que ça bug, et moi, je perds ma hype parce que ça bug aussi. Hein. À chaque fois, devoir fermer l'application ou relancer. Heureusement que les chargements, ils sont rapides quand même. Hein. Bon, on a des petits freezes, d'accord. Mais bon, là, c'est plus des frises, là, c'est des bugs, y a rien qui répond, tu peux rien faire. Après, je me demande, quand ils vont sortir la version finale sur PS4, si on va pouvoir récupérer notre personnage. Avec là où ça en est. Ça serait bien, quoi. Vous avez toute mon attention. Je suis ici pour aider. Pour la Fédération. Utilisez le parchemin de téléportation pour rejoindre. De loupi, ok. C'est, je regarde que ça m'emmène quand même au bon endroit. Hein. Voilà, si vous voulez lire, vous appuyez sur pause. Hein. Ok. Miner des temps de sable furtif. Ok. Mais bon, ça, on va se réserver ça pour le prochain épisode. Tout simplement parce que, ben voilà, on approche des 20 minutes. Ben, juste ce que le marchand a me proposé. Voilà, à mon avis, voilà, t'as rien à me proposer du tout parce que ça bug. Donc on va s'arrêter là pour cet épisode et on se retrouve très vite pour la suite de notre aventure.